aide-soignante. Voici donc Geneviève. Accrochez-vous, nous allons suivre Geneviève et ce n'est pas rien. Elle bouge tout le temps. Les chambres, les couloirs, les ascenseurs, l'air de rien, un métier athlétique, pas le temps de s'ennuyer. On est tout le temps en mouvement, on doit toujours réfléchir à ce qu'on fait, respecter les règles d'hygiène, les règles de la maison, la sécurité des pensionnaires, on s'ennuie jamais, non. Geneviève est chargée du bien-être du résident. Elle veille à sa sécurité, détecte les problèmes et surtout échange avec lui. Geneviève donne des explications, prépare une intervention médicale, communique le planning des soins. La qualité principale de Geneviève face aux patients, serait-ce la patience ? Il faut savoir rester calme. Certaines situations peuvent parfois faire peur, mais garder notre sang-froid, bien gérer notre stress, le stress des pensionnaires, aller à leur rythme aussi qui est plus lent. Donc la patience s'impose vraiment. Dans cette maison de repos et de soins, Geneviève travaille en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire. Ils échangent des informations sur les patients pendant les réunions. Geneviève rédige aussi des rapports écrits. On se doit d'être précis dans ce qu'on observe, dans ce qu'on inscrit, dans ce qu'on dit aux équipes. C'est très important que ce soit par rapport aux infirmières, au personnel de cuisine ou au personnel de l'entretien. Tout est lié, donc c'est très important. Être aide-soignant, c'est un métier à part entière. Il est essentiel dans la prise en charge des personnes qui ont besoin de soins. C'est un métier qui demande un grand sens de l'observation, un grand sens de l'écoute, puisqu'il faut répondre aux besoins des résidents. Mais alors, c'est aussi un métier qui demande une grande flexibilité, puisqu'il faut faire aussi des soirs, des week-ends et parfois des nuits. J'ai tout d'abord fait une année d'infirmière où j'ai fait des stages en maison de repos. Et là, je pense que j'ai eu comme le petit coup de foudre pour les personnes désorientées, en fait. Et c'est ce qui m'a amenée à me diriger vers les maisons de repos en tant qu'aide-soignante. Évidemment, au cœur du métier de Geneviève, il y a la personne. Ses joies, ses préoccupations, son entourage. Chaque journée est pleine d'émotions. On passe par des émotions parfois douloureuses, des moments plus joyeux. C'est vraiment un métier passionnant, oui. Mon métier, c'est...